Et bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le 11e épisode en Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent, on a continué nos petites quêtes annexes à droite à gauche. On a capturé un Ponyta Shiny. Je m'embrouille tout seul, Mamir. Ça, c'est toujours le. Quand j'enregistre plein d'épisodes comme ça à la suite, je m'embrouille toujours. Dans l'épisode. Ouais, on a capturé un Ponyta Shiny. On a fait plein de quêtes annexes. Et là, on va continuer nos petites quêtes annexes. Enfin, celles que je peux faire en tout cas. Grand Mustéboué, petit Mustéboué, tiens, il faut que je vérifie si c'est bon ou pas, parce que j'ai recapturé deux Mustéboués, mais les 80 cm du Mustéboué, ça, j'en ai aucune idée. J'ai pas de règle pour les mesurer, donc. Alors, tu m'apportes un Mustéboué, blablabla. Soixante-cinq et 71, non. Ok, bon. Dans ce cas-là, on va pas faire ta quête, toujours pas. Ça, je le ferai sûrement en off. Alors, le riz ailé, je sais pas où le faire. Par contre, on va trier. Donc là, les 107 flammes étranges, ça, on va mettre du temps pour les faire aussi. Devenez une légende du visiteur, bon, on va tenter ça déjà. J'ai envie de devenir une légende, comme Will Smith. Pour ceux qui connaissent pas le film, n'hésitez pas à aller le voir. Il est excellent. Viens mettre ton adresse à l'épreuve et tente de devenir un expert du visé-tir. Fais éclater autant de cibles possibles à chaque lancer pour un maximum de points. Si tu arrives à marquer plus de 10 000 points, tu recevras un prix très très spécial. Alors, tu veux faire une petite partie de visé-tir? Allez. Ouais, excellent comme film, Mamir. Je suis une légende. Ton score est de 50 000 points. Salar, tu as battu ton propre record, bien joué. Comme je te l'ai dit, j'ai attribué des prix fantastiques en fonction du score obtenu. Voici donc un petit quelque chose pour te récompenser. Hey, je suis une légende. Mais rien ne t'empêche de viser plus haut. Reviens quand tu veux pour améliorer ton score. J'ai toujours des récompenses en réserve pour ceux qui aiment vraiment déplacer leur propre record. Non, 50 000 points, ça me va très bien. Faut pas mettre la barre trop haut au bout d'un moment. Hop. À la recherche de feuilles amères. On va aller voir ça. Si on peut aider un petit peu dans les quêtes, ce sera toujours ça de prix.
qui es-tu? C'est Chloé qui t'envoie. Elle t'a chargé de récupérer des ressources, c'est ça? Figure-toi que la plante qu'elle cherche est en réalité un Pokémon à trois feuilles. Mais elle n'en a aucune idée. On peut le trouver au Marais Carmin. C'est donc là que tu vas devoir chercher. Par contre, Chloé risque d'avoir un choc si elle apprend que c'est en fait un Pokémon. Alors je te prie de me le ramener directement si possible. Bonne chance dans tes recherches. Le seul problème, c'est que je ne sais pas où est le Marais Carmin. Ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une zone que j'ai pas encore visitée. Mission. Qu'est-ce qu'il me reste comme... Par contre, pourquoi ça me retire le tri à chaque fois? Je pense que la petite dame là va pas me dire où sont les flammes. Donc là, rassembler six flammes étranges, il t'en reste donc 101 à trouver. Ok, toutes les 5 elle me donne un petit cadeau apparemment. Bon, ça va être un truc qui va falloir que je fasse aussi un peu en dehors des lives, ou si, enfin en dehors des enregistrements du moins. Hop, on a refait un peu de rangement dans la sacoche. Le champi tout mou, on peut même le déplacer aussi. Il me reste plus beaucoup de quêtes, du moins maintenant. Enfin, que je peux réussir. Je viens de le trier le truc. Éclat de ballon dans les plaines. Ça, j'ai dit, je peux pas le faire tout de suite parce que j'ai pas de Seriflore. Ça, on peut pas le faire. J'ai pas le Rizelé, je sais pas où le trouver. Et ça, je peux pas le faire encore parce que je ne sais pas où est le Marais Carmin. Donc il me reste que l'éclat de ballon à faire en quête annexe pour le moment. Bivouac du plateau. Salut, ça te dit de charger des ballons à d'autres Pokémon? Qui sait, tu pourrais bien devenir un champion de l'éclat de ballon. Si tu parviens à en éclater au moins 17, ce serait vraiment un bon début. Alors tu veux faire une partie? Bah, je vais essayer. Il y a 30 ballons au total et tu as 45 secondes pour en éclater autant que possible. C'est pas le moment de se dégonfler. Ok, 17, tu veux que j'en éclate. Ah, tant pis. Ça va. J'ai pas tout su. Je sais pas ce qu'on gagne quand on les a tous, mais en tout cas, on a réussi. Ah, te voilà, tu as éclaté 22 ballons cette fois-ci. Décidément, les ballons, ça te connaît. Tu mérites bien cette récompense. Tout ça pour des champis tout mous.
Tu peux t'essayer à ce genre de jeu ailleurs, mais celui-ci est assurément le plus facile. Viendras-tu à relever tous les défis d'éclats de ballon parsemés à travers la suite? Ça, on verra plus tard. Hop, ça me fait 4 super bonbons dans la boîte, ce qui est plutôt pas mal. Et on a des plumes balls en ligne droite. Elle permet notamment de rattraper les Pokémon qui volent ou qui sont très rapides. Ça pourra nous être utile parce qu'on avait vu un Léviator qui volait, puis un Étouraptor. Donc ça pourrait être l'occasion de les capturer comme ça. Hop, hop. Alors, Marais Carmin, ça je ne sais pas où c'est. Est-ce que c'est par ici ou est-ce que c'est dans d'autres zones? Je ne sais pas, à la limite, on va essayer d'explorer un petit peu. On va essayer d'explorer les différentes zones qu'il y a ici. Enfin, là déjà, on va faire ces trois-là, si je peux. Et ensuite, on ira explorer par là. Pop, hop. On va mettre un petit point. Si je peux découvrir de nouvelles zones, de nouveaux Pokémon, ce sera toujours très intéressant. Enfin, s'il faut que je grimpe en plus, je pense. Parce que j'ai pas suivi le bon point. J'ai suivi le truc de la quête alors que. Je pense. Oups. Vous pourrez peut-être retrouver ma sacoche, les amis. D'ailleurs, là, il y a une sacoche à récupérer. Les objets perdus de Léa. Hop, il faut que je remonte. J'ai pas pris la bonne route. Parce que là. Serviline, ça va être trop juste pour lui. Et félicitations encore Mamir pour ta montée de niveau. J'ai pas pris le bon chemin. Là par contre on va descendre. Ça on casse. Et les petites poussières d'étoiles, ça peut rapporter de l'argent. Tellement d'endroits à explorer. D'ailleurs, il y a un petit feu follet là-haut. Si je vais essayer de le récupérer. Hop, un nouvel objet. Ça c'est pas cool.
La musique, elle est hyper, hyper cool par contre. J'aime beaucoup la petite musique qu'il y a là. Oh, le Scarino. On va tenter le Scarino, le baron. Non, faut que je redescende par contre. Ah, niveau 45. Ouais, je crois qu'on va fuir. Je pense qu'on va fuir. En plus, j'ai une Nosferatu, j'avais pas refait mon équipe. Ça, il faudra revenir bien plus tard, je pense. Il faudra sûrement un Pokémon pour traverser. Il y a peut-être un truc sur l'île au milieu. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort que ça. Enfin, je m'y attendais pas, entre guillemets. Mais... d'ailleurs, je dois avoir des rappels quand même pour mon Ponyta, je vais pas le laisser KO. Ah oui, ok. Ah, je suis bloqué. Ah, il rigole pas le Scarino. Hein. Il m'a dégommé. J'ai voulu esquiver. Il m'a dit non, toi tu passes pas. Non, c'était bien. Par là. Ah, pop pop.
Ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave entre guillemets, mais. Ok, on l'a. Ah, spécimen de grande taille attrapé. Alors peut-être que... Peut-être que là on aura le plus de 80 cm. Un gravalanche en mode baron. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter au refuge. Vraiment histoire de se reposer. Bon, je pense que le mode baron, puis là c'est marqué grande taille, peut-être que là ça va suffire. À la limite, on va aller chercher les objets perdus de Léa. On va être gentil. Aïe, désolé Serviline. Hop. Salut Castorno, comment allez-vous? Hop. Ah, à chaque fois je me trompe de touche. C'est important les points de bonne action, ça nous permet de récupérer des objets pour plus tard. Ça nous permettra de les échanger contre des objets surtout. Hop, on avait dit qu'on voulait aller par là. Un petit psychoquac.
C'est Luxio quand tu vas. Petit Luxio qui se balade. Voilà ici. Tunnel de fer. On va explorer ça un petit peu. Hop, hop, hop. Récupérer. Hop, il y a des machocs, il y a un bébé mélofé. Yeah, on l'a. Petit ravi. C'était pas prévu comme ça, mais... Ouais, par contre c'est cool le petit ravi là. Je m'attendais pas à en trouver un. Enfin... Mais ça nous fait un Pokémon de plus. Ouais mais à Rakeyu, faut pas dormir en dessous des rochers intéressants. D'ailleurs faut que je fasse une petite sauvegarde. Ce serait dommage de perdre ce qu'on vient de faire. Descendons encore. En fait, je suis un idiot parce que j'aurais pu passer par là depuis extrêmement longtemps. En tout cas, ça nous aura fait trouver deux nouveaux Pokémon, Machoke et puis Petit Ravi.
Et un Machoc Baron en plus. Ça, c'est cool. Ouais, je pensais pas que l'entrée de la grotte, je pouvais l'ouvrir directement avec... avec un Pokémon en lui jetant... C'est le genre de truc qu'il faudrait que j'apprenne à utiliser plus souvent mes Pokémon pour détruire l'environnement. Vous, je vous ai déjà capturé. Ah, vous, je vous ai pas capturé. Mais un petit insécateur, ça me plairait bien. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ok, on a un sécateur. Ok. Et bah c'est cool. C'est cool tout ça. Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer un petit peu. Toutes ces zones-là, je les explorerai. Bientôt, enfin dans le prochain live et dans le prochain épisode, on va retourner sur le bivouac. On va se reposer. Et
on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Pokémon Légende Arceus. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.